La scène se passe dans un salon de coiffure dans les années 80. Dans un très beau décor, 6 femmes ont joué récemment sur les planches du théâtre Milandy à Luçon, la pièce de Robert Harling adaptée en France par Didier Caron et mise en scène par Dominique Guyot, coiffure et confidence. Ici, ces clientes de milieux sociaux différents se retrouvent régulièrement autour de Thérèse la patronne qui les shampooine, les coiffe et les dorlote. Parmi elles, il y a la Benjamine, Magali, incarnée par Léa François, bien connue dans la série « Plus belle la vie » sur France 3. Dans cette pièce touchante, elle prépare son mariage sous le regard protecteur de sa mère, jouée par la comédienne Astrid Veillon. Une comédie où le public peut être surpris. Ici, pas de porte qui claque, pas de quiproquo, mais des histoires et des confidences qui bouleversent plus ou moins la vie de ces 6 femmes. C'est des moments de vie dans un salon de coiffure. Donc il y a Thérèse, jouée par Marie-Hélène Lantini, et Sandrine Lebert, sa petite assistante, qui font vivre ce salon. Et autour de ça, il y a plein de potins, des confidences de femmes qui s'échangent et qui fusent pendant toute la durée du spectacle. Il y a aussi une histoire un peu qui vient se greffer là-dedans, qui est celle de la relation entre la mère et la fille. Donc c'est Astrid Veillon qui joue ma mère. Et mon personnage, Magali, qui est atteinte de diabète. Du coup, voilà, il y a une petite histoire un peu plus obscure autour de cette maladie. La fille et moi, nous sommes tombés d'accord sur une seule chose. Oh ! La fausse bonne idée de mon futur gendre. Ces femmes se connaissent par cœur avec leurs défauts et leurs qualités. Elles sont complices et solidaires, surtout lorsque l'une d'entre elles est frappée par la maladie, avec une mère inquiète à ses côtés. Je suis une mère, non pas dans l'empathie, mais plutôt dans la pudeur, et je suis très inquiète, j'ai peur qu'il lui arrive des choses, et au lieu d'être dans la douceur, ma chérie, fais attention, je suis au contraire très cassante, très acide, parce que je crois que Jeanne, donc mon personnage, a beaucoup de mal à exprimer ses sentiments, et du coup elle se réfugie dans cette espèce d'agressivité, sauf parfois où elle n'a pas le choix que d'exprimer sa douleur et ses angoisses. Mais je suis un peu le personnage qui casse l'ambiance, quoi. Tout le monde rigole bien, et puis dès que j'arrive, je plombe tout. Là, il me tire dessus. Alors, je pose la question. Est-ce que ce sont des manières? André ne viserait jamais une femme. C'est aussi ce qu'il a dit. Avant de rajouter que, pour moi, il fera une exception. Une comédie qui met en avant la fraternité féminine, l'écoute de l'autre, et qui passe ainsi du rire aux larmes et rapidement des larmes au rire sans jamais être pathétique. Je crois que la vie, elle est faite de ça, des moments de joie, des moments de douleur. Et puis souvent, j'ai des gens qui disent « Oh, vous m'avez fait pleurer, mais ça m'a fait du bien ». Ça lave les larmes en quelque sorte. Donc oui, effectivement, on passe souvent, on tombe jamais dans le pathos parce que ça ne m'intéresse pas, moi, personnellement. Par contre, on a vraiment des moments où on est pris aux tripes. Et au moment où ça pourrait tomber dans le pathos, c'est l'intelligence de l'écriture de la pièce. Hop, on repart dans la comédie. Si les hommes ne sont pas présents physiquement sur scène, ils le sont dans les conversations. Le spectateur masculin est ainsi autorisé à entrer dans l'intimité des discussions de ces dames. En tout cas, le Milandy était rempli ce soir-là pour assister à ses confidences.